présenté par Claude Dugas de Cazobon dans le 32 Eclipse de Marmarat, un produit de Azabou de Bord dans les premiers produits en deux ans. Azabou de Bord, on en a parlé tout à l'heure parce qu'on a vu son frère, présenté par François-Xavier Maillot. Azabou de Bord, le frère de Moudaza de Bord, et non pas des Bord, hein, attention, là, important. Lauréat du prix du ministère de l'Agriculture à 37,5 à Tarbes. Eclipse de Marben, c'est son nom. Elle est née le 23, le 24 mars. Elle détient 28,22% de sang arabe dans son origine. Et c'est la nièce de Pamino. Obstacle, parlons, obstacle, vivons, obstacle, pensons, obstacle, puisque Pamino, ce fruit de Ramoncho, a remporté 9 succès sur les ponts de Paris, notamment Tapon. Attention, lésion dangereuse, et il a dépassé les 100 000 euros de gain. La famille aussi de Petit Bob, de Princesse de Mars et de El Triunfo. Dont je vous rappelle, El Triunfo, qu'il ne faut pas. Au trot, s'il vous plaît. El Triunfo, au trot, au trot. En avant, marche et droit, au trot, avec de l'allure de l'action. El Triunfo, dont il ne faut pas confondre avec le champion entraîné par François Rau, ici présent d'ailleurs dans le jury, vainqueur du grand Steeplechase de Paris sous la scène de. Dominique Vincent, portant la casaque de M. Francis Montebon, est également ici présent. Il triomphe. On parle bien sûr du très bon cheval et de l'étalon Angora de Jean-Luc Gaillard. Voici donc pour le numéro 48, Eclipse de Marben.